like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes pinceaux. Alors c'est très simple, tous mes pinceaux ou quasi tous viennent de chez AliExpress. À part ceux-là qui venaient d'un autre site chinois il y a vraiment des années où je ne me rappellerai pas la provenance, on va dire. Toutes mes collections là avec le orange viennent de chez AliExpress. Donc celle-là, c'est la même collection hein, que... Voilà. Donc tout cela, déjà, sont de chez AliExpress. Tous les pinceaux teints orange que j'ai là. Donc là, ça fait déjà pas mal, quoi. Voilà. Je les avais achetés vraiment pas très, très cher. Je vous mettrai le lien, de toute façon, en barre d'infos. Donc déjà, tous ces pinceaux-là viennent de chez AliExpress. Celui-là aussi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et vient d'aussi d'AliExpress. Donc, c'est un pinceau plat comme ça pour faire le contouring. Ensuite, ça. C'était un lot de pinceaux MAC que j'avais acheté pour dans une trousse. Donc, en fait, il y a plusieurs pinceaux. Donc, bien sûr, c'est des faux MAC. Hein. Et ouais, je les avais tous eu dans une pochette noire en... Non, c'est pas celle-là. En, comment dire, en simili-cuir, quoi. Et du coup, c'est des faux Mac, quoi. On va pas passer 2 heures là-dessus, hein. Voilà, c'est des faux Mac. Donc, il y avait celui-là, il y avait celui-là aussi. Voilà, il y avait des faux Mac. Donc, je les ai pas payés non plus très cher. Je vous mettrai le lien. Celui-là, c'est un que j'ai... Donc, ça, c'est un vrai, par contre. C'est un vrai de chez Benefit. Puisque je l'ai eu dans ma commande beauté privée avec le fond de teint Benefit, je crois. Ensuite, ça, je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai eu. Il y a des trous de mémoire, hein, on va dire. Celui-là aussi, c'est un faux Mac que j'ai eu. Bon, il n'y a pas marqué Mac dessus, mais c'est la réplique en fait du pinceau pour blush. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était pour le gros pot. Ensuite, il y a ces pinceaux-là. Vous savez que je vous avais dit ceux-là. J'en ai acheté plusieurs de ceux-ci parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment super pour le prix. Donc j'ai un jeu de 4 ici. J'ai un jeu de 4 dans ma trousse de week-end. Donc voilà. Donc ça, ceux-là, ils sont super. Je les ai payés moins de 2 euros. Et franchement, ils font la blague. Je vous mettrai les liens de toute façon aussi. Ensuite, ça, ce sont des crayons pour attraper les strass. Vous le taillez et en fait, à l'intérieur, c'est une petite cire. Et en fait, à chaque strass, en fait, vous venez appuyer. Ça vient prendre la forme. Et donc, du coup, ça vient faire votre attrape-strass. Je vais faire un peu dans le désordre ce que je me rappelle avoir acheté il n'y a pas longtemps. Ceci, c'était un lot aussi de pinceaux blancs. Voilà, que j'ai acheté sur AliExpress aussi. Pas très très cher. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai le lien aussi. J'ai dû les payer moins de 5 euros pour... il y en a 10. Donc ça, c'est cool. Il y en a 5 pour le teint et 5 pour les yeux. Donc ceux-là, je peux déjà les ranger là-bas. Voilà. Ensuite, il y en a tellement là-dedans. Ça, c'était des lots de pinceaux. Donc ça, c'est au même vendeur. Enfin, au même vendeur. Tous ces pinceaux-là, en fait, je les ai eus. C'est des pinceaux plats synthétiques que j'ai eu au même vendeur et j'ai acheté plein de sortes. Je crois que j'en avais acheté par lot de 50, je crois. Donc j'ai 50 pinceaux comme ça, plats, pour en général travailler les pigments. Parce que c'est des pinceaux plats un peu à poil... dur, donc du coup je m'en sers pour les pigments ceux-là, et vraiment j'en ai plein, je crois que j'avais acheté un lot de 50, donc ça c'est pareil, ça c'est mon lot voilà, de Faux Real Techniques qui va là. Donc voilà, ça c'était mon lot de 50, hein, et vous voyez il y en a vraiment plein dans mon bac à pinceaux. Et vraiment, ça c'est pratique parce que quand j'ai pas forcément envie de les laver, j'en ai toujours une dizaine de propres puisque je les lave à peu près tous une fois par mois.
Donc voilà, ça c'était mes petits pinceaux pour les pigments. Ça c'était un pinceau que j'avais eu, il commence à rendre l'âme d'ailleurs, que j'avais eu en Espagne. Donc c'est les Giovanni, et j'aime beaucoup. Ils m'ont duré hyper longtemps. Ensuite, ça c'est un faux Mac. Ça c'est un faux Mac, donc ça ça allait avec le faux Mac. Ensuite, ça c'est quoi? Steel Master. Donc Steel Master, est-ce que c'était un lot certainement. Steel Master. Ouais, ça devait être un lot que j'ai acheté. Je pourrais pas vous dire où, par contre. Si je retrouve, bien sûr, les liens, je vous les donnerai. Ça, c'était l'ancien lot. L'ancien lot que je vous disais que j'ai acheté en Chine, mais où, je me rappelle pas. Ça, c'est un faux Mac. Ça, c'est les anciens lots. D'ailleurs, ils font vraiment la gueule. Vous voyez les manches? Les manches, comment ils boudinent, hein. Ils font du boudin. Mais ils m'ont duré hyper longtemps parce que je crois que ça fait bien 10-15 ans que je les ai. Ça, c'est faux Mac. Ça, c'est faux Mac. Donc, pareil, hein, ça, c'était des faux Mac. Mais le lot, il ne m'avait pas coûté très, très cher. Hein, donc, ça, c'était mes plats. Ça, c'est mon plat aussi. Vous voyez, ça s'amenuise. Hein. J'ai acheté 4 ou 5 beaux lots de... Ça, c'est un faux Mac. Aussi un faux Mac. Voilà, 5 beaux lots de pinceaux, mais au final, j'en ai vraiment pour tous les goûts. Ah, ça, c'est un Eve Cosmetics que j'ai eu avec un pigment et tout, gratuit, à partir de 40 euros d'achat, je crois. Et franchement, ceux-là, ils sont vraiment très bien aussi, je vous les recommande. Ça, c'était un double embout que j'ai eu dans je sais pas quelle palette. Mais vu qu'il n'était pas trop mal, je l'ai gardé quand même. Ça, c'est l'ancienne version que j'ai acheté il y a 10 ans. Ça, c'est quoi? C'est un faux Mac aussi. Ça, c'est le kit pour les yeux. Après, il y a des pinceaux que j'ai vraiment acheté, on va dire, avec les palettes, quoi. Les styles, ceux-là, là. Ça, c'est, voilà, dans les palettes. Donc, ça devait être un lot que j'ai acheté aussi sur AliExpress, ceux-là. Mais honnêtement, pour vous dire, je ne me rappelle plus. Parce que c'est pas des Sigma, c'est rien du tout. Ça s'appelle Steel Master. Donc je peux pas vous dire. Faudrait que je re-retrouve. Si je re-retrouve, je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos. Ensuite, ça c'était tout simplement des pinceaux pour la peinture que j'ai laissé là parce que voilà, pour moi c'était plus pratique de les avoir là. Et dont celui-là que j'ai essayé de couper pour en faire un pinceau liner, mais voilà quoi. D'ailleurs poubelle, tiens. En parlant de ça. Parce que franchement, il est à chier. Donc ça, c'était des pinceaux peinture, voilà, acrylique, tout simple. Ensuite, j'ai des pinceaux à résine qui sont ici. Donc voilà, c'est mes pinceaux résine, quoi, que j'utilise pour travailler la résine. Voilà, tout simplement. Parce que pour moi, c'est plus simple de les avoir ici que de les avoir ailleurs. Donc voilà. Ça, c'était un kit que j'avais eu. C'était un kit de nail art, hein, on va dire. Tiens, poubelle, ça. Ça, c'était tout un kit que j'avais eu de nail art. Ah non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Mais ça, c'était tout un kit de nail art. Ouais, ils sont pas géniaux, hein, franchement. Moi, j'ai jamais réussi à faire grand-chose avec ça. Donc, je vous les recommande pas forcément. Ça, c'était quoi? Un Mac, un faux Mac. Ça, c'était quoi? Un style machin, là, donc, il était avec. Ça, c'est quoi? Ça, je sais même pas ce que c'est. Il y a des pinceaux, je sais même pas d'où ça sort. Et puis, j'avais aussi des pinceaux, voilà, hein, pour nail art aussi. Les fins comme ça. Les autres sont dans ma mallette à nail art, quoi. Et ouais, ils sont bof. Franchement, ils sont bof, ces trucs-là. Donc, je préfère à la limite, comme tarte aux fraises, l'achète sur des... C'est une fille connue en nail art, hein, sur YouTube. Donc Tarte aux Fraises, elle achète vraiment des pinceaux au gré de son besoin et vraiment sur des sites spécialisés et pas forcément en Chine. Donc ouais, là, je suis un petit peu mitigée. Donc voilà, après, tout ce qui reste, c'est des crayons, des bics. Parce que voilà, j'en ai au moins 4, 5, j'en ai 5 bics, je crois. Et ça me sert toujours quand j'ai des idées, etc., etc. Donc là, en fait, on a dépioté tout ce qui était pinceau. Après, en termes d'accessoires,
Je reste vraiment moins sur du beauty blend, enfin le pégissage qui est à 3,60 € dans les boutiques du coiffeur. Ensuite, bon, bah, y a ceux de Kiko qui sont très bien. Au niveau du nettoyage, j'ai le brush egg que j'ai acheté sur AliExpress qui est très bien. Il y a une autre éponge, enfin pas pégissage, mais un espèce de beauty blender que j'ai eu sur AliExpress qui est très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai payé moins de 2 €, donc il est vraiment bien. Et ensuite, au niveau accessoires, bon ben j'ai ma guillotine, hein, voilà, mais bon, ça vous le savez. Mon repousse cuticule que j'utilise très souvent. Ensuite, j'ai mon recourbe cils que j'ai acheté, je crois, chez Babou ou Tati, quelque chose comme ça. J'ai mon sèche-pinceau que j'ai eu aussi sur AliExpress, que j'ai eu à moins de 6 €, je crois. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, hein, de tout ce qui est... J'ai des éponges aussi que je vous avais présentées dans un haul CAD esthétique. Hein. J'ai tout un sac d'éponges, mais que j'utilise vraiment rarement quand je maquille quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, voilà. Et puis, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Moi, vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5 gros ensembles de pinceaux. Et ça me fait largement de quoi avoir venir. Parce que, en fait, je tourne au niveau du lavage. Quand j'utilise pas ceux-là, les oranges, j'utilise les blancs. Les blancs, d'ailleurs, ils ont été utilisés pour le maquillage de cinquantaine de ma mère. Mais normalement, ils sont propres. Donc, j'ai toujours un jeu de pinceaux propres. Voilà, et puis ben c'est tout quoi. Au niveau du lavage des pinceaux, moi c'est eau savonneuse, donc il n'y a pas de nettoyant pinceau, etc. Parce que les nettoyants pinceaux contiennent de l'alcool et l'alcool brûle les fibres de vos pinceaux. Donc il faut surtout pas même désinfecter avec de l'alcool à 90, il faut surtout pas. Ni les pulvériser parce que ça brûle la fibre de vos pinceaux. Donc voilà, moi je fais juste avec de l'eau et du savon et c'est très bien. Donc voilà, bah, j'espère que j'ai tout dit, que j'ai pensé à tout, que bah, ça vous aura au moins permis de voir un petit peu avec quoi je travaille. J'espère aussi que ça vous aura plu. Donc voilà, et bah, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles, ciao ciao. Are you listening? Damn.